Sheila, dans la mort du ciel, ouvre cette porte. Papa, pas question. Je ne veux pas voir cette femme. Je ne l'aime pas du tout. Je ne veux pas vous voir tous les deux. Sheila, écoute-moi. Ouvre cette porte et on va parler tous les deux. Allez, ouvre la porte. Bébé, tu sais quoi? Je crois que je vais y aller. Oh non, mon cœur, voyons. S'il te plaît, je sais. Chut. Attends un peu. Attends juste un peu, d'accord? Attends. Sheila, ouvre cette porte tout de suite, t'es en train de m'embarrasser, là. C'est toi qui as voulu être embarrassée. Sheila, qu'est-ce que ça signifie? Va ouvrir la porte à ton père, non? Pas question, je ne veux pas de cette femme dans cette maison. Vraiment? Maintenant, vas-y, donne-moi ces clés. Sheila, donne-moi les clés, s'il te plaît, dépêche-toi. Sheila, donne-moi... Ah, non! Donne-moi non, ces clés. Hé, hé, hey, Rose, lâche-la, ok? C'est bon, lâche-la. À présent, qu'est-ce qu'on fait? Stella, bébé, je viens d'avoir une idée. On va sortir, c'est pas grave. On va partir ailleurs. T'inquiète pas, t'auras affaire à ton père lorsqu'il reviendra. Écoute, je suis désolé, je sais que t'es en colère. Et que t'en veux vraiment, ma fille, mais s'il te plaît... Voyons, calme-toi. Bébé, oui? Si tout ça est en train d'arriver, c'est de ta faute. Non mais, comment se fait-il que tu n'arrives pas à recadrer ta petite fille? Une simple gamine qui n'a que 9 ans. Quelle honte. Je suis désolé, d'accord? Je te promets que je vais mettre les choses dans l'ordre. Et pendant combien de temps est-ce que tout ça va continuer? Fais-moi juste confiance. Je vais m'en charger. Ça sera fait dès que possible. Prends quelque chose à boire. Et jusqu'à ce qu'on trouve où dormir. Tu penses vraiment que ta fille pourra m'accepter comme sa belle-mère? Avec tout ce qu'elle est en train de faire actuellement? Voyons, Stella, bien sûr. C'est ma fille. D'accord, t'en fais pas pour ça, je vais régler ça. Oui, c'est ça. Tu t'en occupes. J'ai vu comment tu t'en es occupée tout à l'heure. Non, mais sérieux, tu dois faire quelque chose à ce sujet. Je le ferai, je le ferai. C'était très embarrassant. Je sais, dans pas longtemps, tout cela va s'arranger. Je suis désolé. Papa ne prend pas mes appels, n'est-ce pas? Est-ce que tu as un problème? J'ai appelé papa et il n'a pas décroché. Il est probablement occupé. Occupé à faire quoi? Il doit être dans son hôtel avec cette fille. Ou alors, il est en train de coucher avec elle. Coucher avec elle? Où est-ce que tu as appris ce mot? Sheila, écoute, je ne veux plus jamais entendre ce mot sortir de ta bouche. Tu m'as bien compris?
Tu n'es pas mon père. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Tu es juste une servante. Et pourquoi est-ce que tu es debout à cette heure? Il se fait tard et papa n'est pas encore rentré. Ton père est un homme. Et il sait très bien s'occuper de lui-même. Je sais qu'il est dans un hôtel en train de coucher avec cette pauvre idiote. Sheila! N'emploie plus ce genre de mots. De toutes les façons, si ton père dort dehors, c'est de ta faute. Comme... Donc arrête de... Parce qu'il a emmené une femme que je n'aime pas. Tu n'as aucun droit sur moi. Tu n'es pas mon père et encore moins ma mère. Vraiment? C'est d'accord. Je ne suis ni ta mère, ni ton père. Dors là, d'accord? Hé, hey Sheila, ça signifie quoi, ça? Papa, d'où est-ce que tu viens? Ma belle, tu m'as fermé dehors hier soir, donc j'ai dormi dehors. Tu as dormi dehors parce que tu le voulais. Je sais que tu as couché avec cette femme. Hé, hey Sheila, je suis ton père, d'accord? Ferme-la et pose-toi de là. Je ne suis pas un bébé. Réponds à ma question. L'as-tu fait ou pas? Je comprends pas. Quel est ce genre d'enfant? C'est pas croyable. Bonjour, monsieur. Bonjour. Rose, c'est toi qui apprends à ma fille à dire ce genre de mots? Elle dit des mots qui ne sont pas... qu'une fille de son âge ne devrait pas dire ce genre de choses. Pas du tout, monsieur. Donc? Monsieur, hier, elle a également posé des questions qu'aucun enfant de son âge ne pourrait poser. Et j'étais choquée. Elle a demandé si vous couchiez avec la femme qui était là hier. Vraiment? Oui, monsieur. Et je pense que vous devriez visiter son école. Parler avec son maître. Probablement, ces choses, elle les apprend à l'école. Excuse-moi, papa. Oui? Je suis désolée pour ce que j'ai fait hier. Je suis vraiment désolée. C'est juste que je n'aime pas cette femme. Même si tu ne l'aimes pas, tu aurais dû m'obéir et m'ouvrir la porte. Je suis vraiment désolée. En passant, tu dis des trucs qu'une jeune fille de ton âge ne devrait pas. Où est-ce que tu as appris tout ça? Quel mot, papa? On va en reparler plus tard. Je suis en train de sortir, mais on en reparlera tous les deux. Alors la soustraction des fractions
3 à la puissance 1 sur 7 moins 2 à la puissance 1 sur 8 est égal à 8 à la puissance 1 sur... Qu'est-ce qu'on met? S'il te plaît, Tontine Rose, je peux te poser une question? Ok. As-tu un petit ami? Hein? J'ai dit, est-ce que tu as un petit ami? Non, je n'ai pas de petit ami. Pourquoi? Je voulais juste savoir. Eh bien, je n'ai pas de petit ami. J'ai pas encore vu quelqu'un qui me plaît. Donc... Si tu le vois, tu coucheras avec lui? Sheila! Je t'ai dit que je ne veux plus entendre ces choses sorties de ta bouche. Quel âge as-tu? Est-ce que tu peux t'entendre parler? Continuons à nous concentrer sur ton devoir. Prends ça. Je veux que tu répondes à ma question. Ouais, c'est qui là? Qui est là? Qui est là? Oh, bienvenue, monsieur. Hé, hey, comment bonjour, tu vas? Je vais bien. Sheila, comment ça va? Je vais bien. Qu'est-ce que t'as grandi? Merci. Ah, Rose, comment tu vas? Je vais bien. Merci. Mon oncle est là? Non, 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 il est sorti. Ok, pas de soucis, allons dedans. Sheila! Wow! Quoi? Elle va encore fermer la porte. Non, je ne pense pas. Viens, on y va. Viens, viens. Allez, entre. Wow. Ta maison est très belle. Merci. Bon après-midi, frangin. Ah, Joe. Comment tu vas? Je vais très bien. Est-ce que t'es rentré? Oh, il y a juste quelques minutes. Oh, d'accord. C'était là, je te présente mon cousin, Joe. Oh, salut. Enchanté, Joe. Enchanté. Assieds-toi, je vais te chercher quelque chose à boire. Ok, merci. À tout à l'heure. Je vais dehors. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Papa a encore ramené cette fille. Sheila, tu dois laisser ton père faire ce qu'il veut. C'est un adulte. S'il se mal aimé, il ne va plus se soucier de moi. Et je vais tuer cette fille. La tuer? Sheila, ne prononce plus ce genre de mots. Les enfants ne le font pas, d'accord? Je m'en fous. Elle essaie de me voler mon papa et prendre la place de ma maman. Mais cela n'arrivera jamais. Thank you.
Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Stella! Stella! Joe! Stella! Stella! Joe! Joe! Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, j'étais dehors. Stella! Stella! Qu'est-ce qui s'est passé? Papa, ce n'est pas moi, oh. J'étais derrière. Oui, nous étions ensemble derrière. Stella! Stella! Mais... Viens m'aider à la porter! Vous allez devoir appeler les médecins légistes pour qu'ils viennent et y travaillent. Oui, monsieur. Car elle a été assassinée par quelqu'un dans cette maison. Je les appelle sur le champ. Monsieur Ben. Oui, détective. Que s'est-il vraiment passé? Exactement ce que je vous ai dit au téléphone. Vous savez, je suis entré avec ma copine et j'ai croisé mon cousin qui venait juste de rentrer de l'école. Je l'ai laissé pour aller lui chercher quelque chose à boire et j'ai été interrompu parce que j'ai écouté un grand bruit. Son cri. Pendant combien de temps étiez-vous hors de cette pièce? Eh ben, disons 4 à 5 minutes parce que je suis d'abord allé au petit coin avant d'aller chercher les boissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre le fait de vous voir ensemble? Eh bien, ma fille, mais elle est très jeune pour commettre un tel crime. Elle n'a que 9 ans, vous vous imaginez? Où était votre cousin quand vous l'avez appelé? Eh bien, quand j'ai crié, il est venu de l'extérieur car il est allé acheter à boire. Et les autres sont venus de l'extérieur, tout le monde. Vous avez dit que Sheila la haïssait. Pensez-vous qu'elle aurait pu la tuer? Non. Sheila n'a que 9 ans. Elle en serait incapable. Y a-t-il un moment où elle vous a quitté pour l'intérieur alors que toutes les deux vous étiez à l'extérieur? Non. Vous m'avez dit que toutes les deux vous discutiez. Ce qui m'amène à me demander de quoi est-ce qu'une adulte peut bien parler avec une gamine de 9 ans. Ou bien vous couchiez avec votre patron. Je ne couche pas avec mon patron, madame. Pourquoi? Peut-être que vous ne vouliez pas qu'il ait une petite amie. Peut-être que vous détestiez Stella. Et vous la vouliez hors jeu. Raison pour laquelle vous l'avez tuée. Avec tout le respect, madame, je n'ai pas tué Stella. Et je n'ai rien à voir avec mon boss. Comment pouvez-vous imaginer une telle chose? N'avez-vous pas une meilleure question pour moi? Pour votre information, madame, je n'ai rien à voir avec mon boss. Et c'est pas moi qui ai tué Stella. Si vous n'avez pas d'autres questions pour moi, allez-vous-en. C'est tellement choquant que Stella ait été tuée. Quelques minutes après que vous soyez arrivé à la maison de votre oncle, l'avez-vous tuée? Inspecteur, je n'avais aucune raison de la tuer. Je ne la connaissais même pas. Je l'ai rencontrée aujourd'hui même. Alors pourquoi l'aurais-je tuée? C'est ce que j'aimerais savoir. Ils sont entrés. On a fait les présentations. Je suis sorti me chercher un truc à boire.
Quand je suis revenu, je suis resté là. Je suis entré seulement encore quand j'ai entendu mon oncle. Je ne l'ai pas tué. Où étaient Rose et Sheila à ce moment-là? Je ne sais pas. Peut-être à l'arrière de la maison, je ne sais pas. Pensez-vous que Rose l'a tué? Non. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'elle a tué. Pourquoi? Monsieur, Rose est une gentille fille. Je la connais depuis un moment. Elle ne serait pas capable de tuer. Joe, comment reconnais-tu une femme qui est capable de tuer? Je sais que tu détestes Stella. Tu l'as tuée? Détective, qu'est-ce qui vous fait croire que je l'ai tuée? Réponds à ma question. Est-ce que tu l'as tuée? Vous devez aussi répondre à ma question. Tu l'as tuée parce que tu la haïssais. Détective, si vous détestez une personne, allez-vous la tuer? C'est moi qui pose les questions ici. Réponds simplement et arrête d'en poser. Eh bien, je la détestais. Et je suis contente qu'elle soit morte. Mais je ne l'ai pas tuée. Alors, qui l'a fait? C'est votre job, détective. Quelque chose? Rien, monsieur. Je vois. Quelqu'un dans cette maison l'a tué. Cette petite fille, c'est quelque chose. De quoi parlez-vous? Elle est plus sage que son âge. Et trop jeune pour commettre un meurtre. Par contre, les mots qui sortent de sa bouche sont suspects. Que personne n'entre ni ne touche le corps. La police scientifique est en route. Nous allons ouvrir une enquête officielle. Personne ne doit partir au stade où on en est. Tout le monde est un suspect. Je suis là, je veux te poser une question et je veux que tu sois franche avec moi. T'as tué Stella? Non, papa. Qu'est-ce qui te fait croire que je l'ai fait? Eh bien, parce que tu la détestes. Alors, si tu détestes quelqu'un, tu vas le tuer? Cela signifie-t-il que tu vas me tuer parce que tu me détestes? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? Allez, viens. Viens chez papa. Je te déteste pas. C'est juste que la mort de Stella va me causer beaucoup de problèmes. Bah, je suis ravie qu'elle soit morte, parce que tu auras maintenant mon temps. Je ne sais pas quoi penser.
Peut-être que quelqu'un est entré, l'a tué et s'en est sorti. C'est impossible. Il n'y a aucune chance que quelqu'un soit entré dans cette maison, l'ait tué et soit parti sans que quelqu'un ne l'ait vu. Tu as dit que Sheila l'a haïssé. Mais elle... elle ne peut pas la tuer. C'est juste une gamine. Elle ne pourrait pas commettre un tel crime. C'est vrai. Sheila n'aurait pas pu la tuer. De plus, on était ensemble derrière la maison. Il y a un truc qui nous échappe. Quelque chose ne tourne pas rond. Bonjour, Monsieur Ben. Bonjour. Nous sommes là pour amener votre cousin au poste pour plus de questions. Pourquoi? Il est arrivé chez vous. Et votre copine a été assassinée à ce même moment. Donc nous ne pouvons pas juste croire que c'est une coïncidence. Inspecteur. Jeune homme, vous devez nous suivre au commissariat pour quelques questions. Mais pourquoi moi? Vous êtes le suspect principal dans la mort de Stella. Mais mon oncle... Mais je venais juste de... Non. Non, inspecteur, écoutez, je comprends plus rien. Je comprends pas parce que ça fait plus d'une semaine que vous avez amené mon cousin d'ici. Vous n'arrêtez pas de dire qu'on va le relâcher, mais jusqu'à là, rien. Inspecteur, je suis passé dans votre bureau 3 fois de suite et vous n'arrêtez pas de me dire la même chose qu'on va le relâcher. Alors s'il vous plaît. Écoutez, je sais que c'est un cas de meurtre, mais vous ne pouvez pas l'amener juste comme ça. Mieux encore, pourquoi ne pas m'arrêter plus tôt? Écoutez, je sais que c'est un cas de meurtre, mais ses parents ne me lâchent pas. Ils sont désespérés. D'accord. S'il vous plaît, vous devez le relâcher. Ok. Merci. Sheila, comment tu vas? Je vais bien, papa. Sophia, je te présente mon petit ange, Sheila. Sheila, je te présente mon amie Sophia. Papa, est-ce que c'est ta petite amie? Oui, en quelque sorte. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Vas-y. Allô? Sheila, comment ça va? Allô? Moi, c'est Sophia.
Les enfants et leur manie. Qu'est-ce qu'il y a encore cette fois-ci? Papa a encore ramené une autre fille. Sheila, tu dois laisser ton père vivre sa vie. Ton père est un homme. Il a besoin d'une femme. Quelqu'un qui pourra l'aider à t'élever convenablement. Je n'ai besoin de personne pour m'élever. Papa peut le faire. T'es juste qu'un enfant. Et tu n'as aucune idée. Je ne suis plus un enfant. J'ai 9 ans et je suis au cours élémentaire 2. De toutes les façons, ne fais rien qui pourrait mettre ton père en colère, d'accord? Maintenant, viens. Allons-y. Je suis désolé d'avoir mis du temps. Oh mon Dieu, non! 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 Sophie, ne meurs pas, je t'en prie! Hé! Hey, Sheila! Rose! Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Sheila, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai laissé toutes les deux ici! Elle est venue me voir il y a quelques instants. Regarde-moi! Regarde-moi! Dis-moi la vérité! Regarde-moi! Dis-moi, tu l'as tué? Non, papa. Je suis sortie juste après que tu sois partie prendre ton appel. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Sophie, ne meurs pas. Ne meurs pas, je t'en prie. Écoutez, inspecteur, je comprends pas ce que vous essayez de faire. Vous savez que j'ai pas fait ça. Je veux dire, c'est assez évident que quelqu'un essaie de me faire un coup monté. Monsieur Ben, c'est la deuxième fois que quelqu'un meurt dans votre maison. Et ne vous attendez pas à ce qu'on voit les choses autrement. Nous croyons que le premier meurtre a un lien avec celui-ci. Alors, s'il vous plaît, allons-y. Ne faites pas de mal à mon papa. Tu vas? Je vais bien. Ils ont amené papa. Je sais. Je l'ai vu au commissariat. T'inquiète. Allons-y. Rose, comment tu vas? Je vais bien. Bienvenue. Joe, j'ai quand même peur. Je ne sais pas ce qui se passe dans cette maison. On dirait que cette maison est tentée. Ou alors, quelqu'un est après ton oncle, je ne sais pas. Je suis confus, moi aussi.
pour être honnête. Bien. Il m'a dit d'appeler mon père pour lui dire que je suis sorti. Ils ont mon téléphone. Ils ont dit que je suis encore sous leur enquête. Il m'a dit d'appeler mon père, donc je ne sais pas si tu pourrais me donner ton téléphone pour un coup de fil. Oui, c'est mon téléphone. Il est à l'intérieur. Je vais le chercher. Sheila, tu vas bien? Je vais bien. Où est Rose? Elle est sortie. Elle est sortie? Vraiment? Où ça? Je ne sais pas, mais je pense qu'elle a un petit ami. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle a un petit copain? Les grandes filles en ont. Bébé, je pars la semaine prochaine. J'aimerais que tu démissionnes et que tu me suives. Démissionner? Non, je peux pas abandonner mon boulot. Pourquoi? J'ai des trucs que je dois régler. Des trucs? Bébé, ton boss est au commissariat de police. À cause d'un meurtre suspect. Et c'est-à-dire, qui est-ce qui va même te payer? Mon amour, si je démissionne, qui va prendre soin de Sheila? Une autre domestique, bien sûr. Et pour être franc, ton boss pourrait ne pas s'étirer de tout ça. Mon boss s'en sortira, parce qu'il est innocent. Bébé, innocent? Deux femmes sont mortes dans la maison de ton patron il y a à peine 2 mois. Et voyons, cet homme sait ce qu'il fait. Il n'en sait rien. Je suis certaine que quelqu'un est après lui, mais on va finir par le démasquer, crois-moi. Ok. Assez parlé de mon boss, allez, okay. Suis-moi. Ok. Merci beaucoup. Bye. Ma chérie, oh, comment tu vas? Ça va bien. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait mal. Non, t'inquiète pas, ils ne m'ont rien fait de mal. Toi, ça va? Oui. T'es sûre? Oui. D'accord, on y va. Tout ira bien, d'accord? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, tout le monde doit désormais être très vigilant et très prudent. En fait, nous sommes tous sous enquête. Nos allées et nos retours sont désormais sous contrôle. Donc nous devons être prudents et hyper attentifs. Le moindre geste suspect, et j'insiste, le moindre geste suspect perçu doit être dénoncé. C'est compris? Joe? Je suis désolé que tu endures ça depuis tous ces derniers jours. Je sais que tu viens juste de rentrer de l'école pour te reposer. Il n'y a pas de problème. Je suis content qu'il n'était pas enfermé. Eh bien, j'étais très chanceux. Quiconque essaie de me faire ce coup n'y arrivera pas. Exactement. Rose, apporte-nous quelque chose à boire. Ça va, ma chérie? C'est la vie, mon Gio. Sheila? Sheila, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, papa. There was a farmer had a dog and bingo was
Eh, hey, ma chérie. Bonjour, papa. Bonjour, mon cœur. Comment vas-tu? Je vais bien. J'ai complètement oublié qu'aujourd'hui, c'est un jour de classe. Mm-hmm. Tu écoutes tes maîtres et sois une fille gentille, d'accord? Ok. Bye bye. Bye. Je t'aime. Ouais. Quoi de neuf, mec? Je suis chez moi, ça fait un mois et demi, frangin. Écoute, mec, il n'y a plus rien à vendre. J'ai tout vendu. Il n'y a plus rien au marché. Je te l'ai dit. Je t'ai dit que ce chinois dont tu m'as présenté retire ma marchandise. Je te l'ai dit, non? Tu t'imagines maintenant? 10 000 paires de jeans lui prennent à présent 2 mois pour livrer. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, j'attends. Oh, mon Dieu, Angela! 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 Oh, mon Dieu! Mon oncle? Tout va bien? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur Ben, vous aviez l'air si pressé au téléphone. Oui, inspecteur. Je dois vous dire que mon ex-petite amie m'est apparue. Vous est apparue, genre, elle est morte et elle est apparue comme un fantôme? Oui, elle est morte dans un terrible accident de moto il y a 1 an. Mais malheureusement, j'étais pas là pour la sauver. Alors je me disais, peut-être que c'est elle qui commet tous ces meurtres. Monsieur Ben. Inspecteur. Premièrement, je ne crois pas aux fantômes. Et deuxièmement, les fantômes ne commettent pas de crimes. Je veux dire, c'est pour ça que vous m'avez appelé ici? Eh bien oui, nous ne pouvons pas négliger la possibilité que... Possibilité de quoi, monsieur Ben? Je veux dire, possibilité que votre ex-petite amie morte tue des gens chez vous? Ou devrais-je dire, tue votre petite amie? Bébé, puisque ton boss est de retour, je pense que tu dois venir avec moi. Mon amour, comme je te l'ai dit plus tôt, tu dois me donner un peu de temps. J'ai des affaires à régler. Bébé, tu trouveras un meilleur boulot là-bas. Tu vois, laisse ce boulot de ménagère. Ok? Tu ne peux pas me comprendre. D'accord. Donne-moi jusqu'à la fin du mois. Je promets une fois que j'aurai été payée. Et entre-temps, j'aurai fini ce que j'ai à faire. Si tu le dis, je peux attendre. C'est ça, mon homme. Trop mignon. Eh bien, on peut y aller? Parti où? Je ne pars nulle part. Je n'ai pas envie de partir, je ne pars pas. Non! Encore toi? Oui, moi encore. Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi est-ce que tu tues les gens que j'aime? Je t'ai pas tué. Je ne suis pas responsable, mais tu souffres simplement du crime que tu as commis. Tu ne connaîtras pas la paix. Tu prétends ne pas m'avoir tué. Tu m'as donné la pilule qui a tué mon futur bébé. Non, non, non. On s'est mis d'accord pour interrompre cette grossesse. Non, c'était ta décision. Tu ressentiras ma peine. Tu auras un esprit bien.
Quelqu'un en train de sortir. Oh, Monsieur Ben. Et où est-ce qu'il est en train d'aller? Je ne sais pas, mais on le saura bientôt. J'ai entendu quelqu'un crier. Qu'est-ce que... Allons voir. Je dois voir mon frère, inspecteur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux voir mon frère. Monsieur Ben, calmez-vous. Calmez-vous. Vous ne pouvez pas le voir. Je veux dire, ce n'est pas beau à voir. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites quoi, là? Je l'ai juste laissé à la maison, le temps pour moi d'aller acheter quelque chose. Et maintenant, il est mort, juste comme ça. Alors, qui est après ma vie? Et le fantôme, alors? Je vous en ai parlé, non? Je vous ai parlé du fantôme. Monsieur Ben, vous l'avez fait. Mais il me semble que vous êtes le seul à voir ce fantôme. Et il n'y a aucun moyen d'enquêter sur un fantôme. Et personne n'a vu le fantôme le tuer. Il y a bien quelqu'un derrière tout ça. Quelqu'un essaie de détruire ma vie. Je dois voir mon frère, Monsieur, s'il vous plaît. Je veux voir mon frère. Je veux voir mon frère. Santé. À la vie. Santé. Santé. Tu veux un autre verre? Non. D'accord, attends. Oui. Attends un peu. Alors, est-ce que ça veut dire que tu vas pas m'amener chez toi aujourd'hui? Non. Peut-être une autre fois. Une autre fois? Pourquoi? Faut pas me dire que tu as peur de ta fille ou bien le faton. Bien sûr que je n'ai peur de personne. Je veux juste pas un autre mort chez moi. Tu penses vraiment que je vais être tué par ta fille ou bien le fantôme? Et attends, j'ai pas dit que ma fille est celle qui a tué mes ex-petites copines. D'accord? Je prends juste l'histoire du fantôme comme couverture. Tu comprends? Il n'y avait jamais un fantôme. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Eh ben, il y a eu un fantôme en effet. Comme si le fantôme la possède pour commettre ses meurtres. C'est juste une théorie, hein. Je pense que j'ai besoin d'un autre verre. Quelle belle maison tu as ici. Merci. Ah, Sheila, comment vas-tu, chérie? Je vais bien, papa. Salut, bébé. Et qui est-ce? Ah, je suis la petite amie de ton père. Et je vais bientôt être ta belle-mère. C'est ce qu'on verra. Allez. Ne te fais pas. Je peux la gérer. Crois-moi. Allons dedans. Sheila, qu'est-ce que c'est? Je t'ai emmenée ici dehors parce que je te respecte. Je ne veux pas de cette femme dans cette maison. Je veux qu'elle parte. Mais non, écoute-moi, espèce de petit démon. Espèce de petite sorcière. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça à la fin? Tu veux devenir un arrêt dans ma gorge? Écoute-moi attentivement. Je vais épouser cette fille. Et il n'y a absolument rien que tu puisses faire. Si tu continues à te comporter comme ça, je t'envoie au poste de police.
Tu sais que l'inspecteur observe cette maison, n'est-ce pas? Tu sais qu'il nous regarde, n'est-ce pas? N'ose pas faire un truc stupide. Non mais regarde là. Espèce de petit démon. Tu commences à savoir plus que ton âge. N'importe quoi. Je veux pas voir cette femme dans cette maison. Devine quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il allait épouser cette dame. Waouh! C'est une bonne nouvelle. Bientôt, tu auras une belle-mère qui pourra s'occuper de toi. Alors, tu es d'accord? Bien sûr! C'est la meilleure chose à faire. Donc, ton père fait le bon boulot. Toi aussi. N'importe quoi. Rose, c'est comme si papa n'a pas retenu la leçon. Il a amené une autre femme à la maison. De nombreuses fois, je t'ai dit de laisser ton père. Fiche-lui la paix. Laisse-le faire sa vie. D'ailleurs, je suis occupée. C'est tout ce que tu as à dire? Eh bien, je ne suis pas ton père. Et je suis mal placée pour te dire quoi faire. Tu utilises mes paroles contre moi. Sheila, je suis occupée. Que cela veut dire? Vous devez quitter la maison de mon père avant de mourir comme les autres. Vraiment? Bien. J'ai tellement entendu parler de toi, petite sorcière. Mais devine quoi? Et tu sais, je suis venue rester. Et ce n'est pas tout. J'épouserai ton père et je donnerai naissance à de meilleurs enfants. Juste un jour. Je te dis, un jour, je te tuerai de mes propres mains. N'importe quoi. Waouh! Bravo! C'est ce qu'on verra. Ce qui a tué les autres te tuera aussi. Eh ben, je vois que vous vous en sortez plutôt pas mal. Oh oui, mon bébé. Ta fille est très adorable. Papa, Tata Sonia est une vraie blagueuse. Je vous laisse toutes les deux, d'accord? Je vais sortir. À tout okay, à l'heure. Ok, chérie, à tout à l'heure. Bye. À plus, papa. Vous allez mourir aujourd'hui. Non. Je tomberai enceinte de ton père aujourd'hui.
sais ce que je vais faire. Maintenant, dégage d'ici. Dégage, petite sorcière. Je vais te corriger. N'importe quoi. Où est-ce qu'il est en train d'aller? Parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit qu'elle allait me tuer. C'est parce que tu lui as dit qu'elle allait mourir comme les autres. Voyons, ma puce, c'est très méchant de le dire. Je ne l'aime pas du tout. T'as pas besoin de le faire. Tant que ton père l'aime, tout va bien. Elle va me voler mon papa. Elle ne le fera pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui donner une chance. Donne-lui une toute petite chance dans ton cœur. Aime-la. Voilà comme ta mère. Ok? Je te promets que personne ne te fera de mal. D'accord? Maintenant, allons dans ta chambre. J'ai quelque chose à te montrer. Viens. C'est la domestique! C'est elle! Oh mon Dieu! Qu'es-tu en train de faire? Hein? Te tuer comme j'ai tué les autres. Monsieur Ben a tué ma sœur. Et je vais me venger. Quoi? Lâchez ce couteau tout de suite ou je vous tire dessus. Je vais vous tirer dessus. Lâchez ça! Toi? Oui. Vous ne savez pas ce que vous faites, officier. Je l'avais prévenu que Monsieur Ben a brisé son cœur. Monsieur Ben a donné une pilule d'avortement à ma sœur et elle est morte lors du processus. J'ai vu ma sœur mourir entre mes bras. Laissez-moi la tuer. Pas un geste ou je vous tire dessus. Hé, hey, que se passe-t-il ici? Calme-toi, calme-toi, c'est bon, chérie. Quoi? Elle vient juste de confesser. C'est elle qui a tué toutes tes petites amies. Oui, c'est elle. C'est une sorcière. Rose? Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi Angela n'était pas assez bonne pour vous? Pourquoi vous lui avez demandé d'interrompre la grossesse? Vous lui avez donné une pilule et elle est morte lors du processus. Je ne suis pas entrée dans votre vie juste pour être punie. Je suis là pour me venger. Puisqu'Angela, ma sœur, n'était pas assez bonne pour vous, aucune autre femme ne sera bonne pour vous. Pourquoi est-ce que le sang coule de ta bouche? Je suis désolée. J'ai pris une pilule. Quelle pilule? Quelle pilule? Ben,
s'arrête. Ne t'inquiète pas au bébé. Non, s'arrête, ne me laisse pas. Donc, tu es venu pour te venger. Et c'est toi qui as tué Stella. Et faire comme si c'était Sheila qui l'avait fait. C'était facile pour moi de ne pas être soupçonnée. Pourquoi, Rose? Après tout ce que j'ai fait pour toi, pourquoi? Comment t'as fait une telle chose? Pourquoi? Comme ça, t'as tué Sophia? D'accord. Qu'en est-il de Joe, mon cousin? Qu'est-ce que Joe t'a fait? Qu'est-ce que ce pauvre garçon t'a fait, Rose? Je suis navrée pour Joe. Oh. Il a vu ce qu'il ne devait pas. Il était sur le point de vous dire, alors j'ai dû le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cherché un stylo dans ton sac et j'ai trouvé ça. Un couteau en plastique taché de sang? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors à quoi est-ce que tu penses? Rose, c'est toi qui tues les copines de mon oncle? Tu as bien vu, mais je le faisais pour le protéger. Je le protégeais juste de ses filles. Comment? D'accord. Peux-tu me rendre ce couteau? Et je promets que je vais tout te raconter. Et je vais tout t'expliquer, tout ce qui se passe dans cette maison et que personne ne sait. Fais-moi confiance. Toute la vérité. Rien d'autre que la vérité. On n'a juste pas eu de chance. Comment t'as pu? Que se passe-t-il ici? Elle vient juste d'avouer que c'est elle qui est derrière ces meurtres. Vous? La personne la moins suspectée? Crime parfait, vous voulez dire. Oui, je vais aller en prison. Mais je reviendrai, je m'assurerai pas de un geste. Souffrir. Si vous bougez, je vous tire. Détective, emmenez cette idiote hors d'ici. Maintenant, avancez. Je reviens. Avancez. Allez, avance. Avancez, avancez. Va-t'en. Avancez. Que c'était moi qui tuais tes petites amies. Je suis désolé, mon cœur, j'étais si confus. Vas-tu vraiment l'épouser? Ouais. Bah, puisque Rose est partie, je pense que je vais l'aimer. Donc, tu peux l'épouser. Oh, merci, chérie. Merci.
Non, remercie mon papa. Oh, merci mon chéri. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.